Moi, c'est Magali Leroux. Donc, j'ai créé deux blogs, un sur apprendre à dresser son chien.com et un autre sur sortir de la boulimie.com. Et voilà, je tenais à dire que je suis tous les matins donc Olivier sur sa chaîne YouTube. Et j'adore, et surtout voilà, dès le matin, ça donne vraiment des énergies positives et ça rebooste pour la journée. Voilà, il y a vraiment des sujets, j'adore, enfin, je le surmonte très près et je ne vais pas m'arrêter, ça c'est clair. Donc je vous conseille de le faire. Bonjour, je m'appelle Ryan Gillet, j'ai un blog qui s'appelle Progression Musculation qui vous aide à atteindre vos objectifs en musculation, quel que soit l'objectif, de manière générale. Et si je suis aujourd'hui devant la caméra, c'est pour vous parler des vidéos quotidiennes d'Olivier Roland, que j'ai découvert après de ça il y a 2 mois. Et alors, ce que j'aime particulièrement dans ces vidéos, la plupart, c'est déjà que c'est un format, ça va durer entre 3, 5, 6 minutes, parfois un tout petit peu plus. Et 3, 5 minutes, c'est parfait, le matin, toujours pareil, je me réveille, je regarde les vidéos, enfin, j'allume mon iPad. Je regarde la vidéo, 3-4 minutes, bam, ça lance ma journée, ça me motive. J'aime particulièrement, pareil, ça va être les chroniques de bouquins. Le dernier en date, c'était sur le bouquin La méthode, la technique du 80-20. Et grâce à ça, je me suis fait toute une petite liste en fait sur Evernote, de tous les bouquins que je devais acheter. À chaque fois que je regarde ces vidéos, hop, je vais sur Evernote et je note le titre du bouquin à acheter. Ça me fait une bonne petite liste. Je ne les ai pas encore achetés, je compte le faire. Et voilà, donc si vous ne savez pas quoi faire, je vous conseille de vous abonner à sa chaîne YouTube. Tous les matins, vous recevrez une petite vidéo, un petit mail. Vous n'avez plus qu'à la liker si vous voulez. Et vous allez voir, vous allez progresser énormément. C'est d'ailleurs une de ces dernières vidéos en date qui m'a permis de changer mon blog. J'ai rajouté une catégorie qui s'est consacrée entièrement à la motivation et au mental. Et c'est entre autres en voyant une de ces vidéos sur une astuce toute simple pour rester motivé que ça m'a donné cette idée. Donc peut-être que ça vous donnera encore plus d'idées vous aussi.